Nous allons encore une fois parler du ministre du budget, Lancine Condé. Lancine Condé dit, c'est pas moi qui ai dit grand cascadeur. Comment va-t-il grand cascadeur? Ce n'est pas moi, hein. c'est Lancine Condé. Lancine Condé dit que nous allons galérer en 2024. Voilà. C'est lui qui le dit, le voilà ici. Voilà. Voilà, le voici ici, le voilà. Il est là. Voilà. Lancine Condé, ministre du budget, nous devons gérer la galère en 2024. C'est lui qui le dit. Nous devons gérer la galère en 2024. Un ministre du budget qui n'a pas de recettes, qui n'a pas de revenus, qui ne compte pas sur les sociétés pour obtenir des recettes. Il n'a absolument rien. Si ce monsieur vous dit que nous allons gérer la galère en 2024, croyons à ça, comptons sur lui, parce qu'au moins, nous sommes aujourd'hui le 3. Nous sommes le 3 aujourd'hui, et il le dit. Il est le ministre du budget. Quand vous entendez le mot budget, vous savez très bien qu'est-ce que veut dire le budget. C'est le ministre du budget. C'est lui qui gère, c'est-à-dire celui qui doit garder, c'est lui qui doit répondre après le passage de tous les ministres au niveau de l'Assemblée nationale ou même du CNT. C'est à lui de valider le budget, validé par le CNT. Si le CNT valide un budget à 300 milliards, cela veut dire automatiquement que le ministre du budget peut donner cet argent, peut livrer, peut déposer sur un compte du département ces montants. C'est automatique. Mais lui, il dit que nous devons gérer la galère en 2000. Il le dit. Donc, les petits supporters du CNRD, les arrière-pensées du CNRD, cela m'encourage beaucoup parce que, je l'ai dit dans une vidéo avant-hier, tout est fait, tout est organisé pour ne pas qu'il y ait élection. Ils ont créé la galère, ils ont créé la souffrance, ils ont créé cette situation pour ne pas qu'il y ait élection. Le même ministre des budgets, je peux revenir sur ce qu'il a dit encore, le même ministre, Lancine Condé, il dit qu'ils ont réajusté, c'est-à-dire ils ont réaménagé le budget des élections à venir. Le même, hein, et que la CEDEAO ne bouge pas. C'est-à-dire, selon lui, c'est la CEDEAO qui doit financer. Comme si c'est la CEDEAO qui avait demandé à Mamadi d'aller faire le coup d'État, si je comprends bien. C'est lui qui le dit, pas moi. Nous allons d'abord lire ensemble, rapidement. On dit que ce n'est un secret pour personne. La Guinée traverse une crise économique importante. Le ministre de budget va jusqu'à qualifier la situation de galère que les Guinéens devraient gérer. Il est docteur, hein? Docteur Lancine Condé était dimanche 31 janvier 2023 devant les conseils nationaux, c'est-à-dire le CNT, répondant aux questions des conseils sur les coûts budgétaires constatés dans les lois de finances initiales 2024. Il n'est pas allé du doigt à la cuillère. Il a expliqué clairement que la Guinée est en manque de ressources. Écoutez très bien, la Guinée est en manque de ressources et les besoins sont énormes. Et voilà ce qu'il a dit, Boulokala Traoré. Il dit, je m'excuse. C'est lui-même, ça sont ses propos. Je m'excuse, le terme n'est pas approprié. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Nous devons gérer la galère. Il n'y a pas de bonne solution pour gérer la galère. Il y a peu de ressources et beaucoup de dépenses. Peu de ressources, beaucoup de dépenses. Donc il faut prioriser et envoyer un peu sur chaque secteur pour s'assurer qu'on reste robuste jusqu'au bout. C'est cela qu'on est en train de faire. Et si les ressources les permettent, les efforts vont augmenter en échelle. Mais là, franchement, je vous dis, il n'y a pas de ressources. Donc, on ne pourra pas faire face à toutes les dépenses. C'est lui qui le dit. Hein? Voilà. Le ministre du budget dit qu'on ne pourra pas faire face à toutes les dépenses. Il faut les prendre par priorité. Et la première priorité du CNRD, c'est le salaire. C'est tout, le salaire. Je reviens sur la partie élection, pour vous dire qu'il n'y a pas d'élection.
Ne vous fatiguez pas. Hein. Attendez. Ça est là. Regardez. C'est ça. Voilà. Je ne suis pas en train d'inventer. Voilà. Guinée, le budget 2024 pour le retour à l'ordre constitutionnel ajusté à 648 milliards de francs guinéens. La CEDEAO accusée de ne pas se bouger. Le budget 2024 pour le retour à l'ordre constitutionnel ajusté à 648 milliards, c'est-à-dire de francs guinéens. La CEDEAO accusée de ne pas bouger. On ajuste le budget à 648 milliards. C'est-à-dire que c'est la CEDEAO qui doit payer ça, selon eux. La CEDEAO ne bouge pas. La CEDEAO ne donne rien. La CEDEAO, jusque-là, nous sommes en 2024. Il reste 8 mois pour les élections. Il n'y a rien. Voilà qui mort 224, mon champion. Donc, si l'ancien Condé, le ministre du budget, vous dit que d'attacher la ceinture, que nous allons gérer 2024 dans la galère. C'est-à-dire, il ne suffit pas les mois, hein. Il parle de toute l'année 2024 dans la galère. Et nous sommes censés reprendre le pouvoir dans les mains de ces bandits dans cette même année. Est-ce qu'il y aura élection? Non, il n'y aura pas d'élection. Parce que selon eux, c'est la CEDEAO qui doit financer dans son entièreté l'élection à venir. Comme si c'est la CEDEAO qui avait demandé à Mamadi d'aller déloger un président démocratiquement élu. Un président qui n'est pas en fin de mandat, comme disait Kalemoudou, les députés qui étaient là, élus par le peuple, je ne sais pas qui les a commissionnés. Et pourtant, celui qui nous a dit à Koya, qu'ils ont accepté d'aller à la mort, c'est que c'est pour la Guinée. Ceux qui ont accepté d'aller à la mort pour la Guinée, pourquoi ceci-là ne peut pas remettre le pouvoir, ne peut pas supporter les dépenses, ne peut pas acquérir tous les moyens, parce qu'ils ont le port, ils ont les recettes minières, ils ont toutes les ressources. Alors pourquoi? Parce que lorsque Alpha Condé était là, Alpha Condé lui c'est pas plein. Alpha Condé jusqu'à aller organiser des élections dans ses propres fonds. Alors je ne sais pas si ce qu'ils ont dit est une réalité, une manipulation, ou bien si c'était vraiment pour se venger contre quelqu'un. Sinon ils sont arrivés. Il n'y aura plus les mêmes choses, il n'y aura pas la corruption, il n'y aura ni ceci, ni cela. Si aujourd'hui, c'est ceux-là, à moins de 3 ans, vous disent qu'il ne peut pas faire face à toutes les dépenses, il y a question. Alpha Condé était là, Alpha Condé supportait toutes les dépenses, jusqu'à aller stocker des mois à la Banque Centrale, jusqu'à aller réserver des salaires, jusqu'à aller réserver le carburant pour 11 mois, et puis le salaire pour 1 an, et jusqu'à aller faire 2 barrages hydroélectriques et jusqu'à aller organiser les élections avec ses propres fonds. Dans les propres, c'est-à-dire dans les recettes du budget, son ministre du budget, Ismaël Djoubaté, le ministre des Finances, Mamadi Camara, était là pour ça. Quand il a besoin des milliards, on sort, on le donne, il investit. Il voyageait, il signait des accords avec des partenaires. Alors où se trouve le problème? Où? Excusez-moi. Alors, où se trouve le problème? Pourquoi ça va galérer? Donc, je reviens sur les propos de Maurice Sanda. Donc, Maurice Sanda avait pas... Mettez le cœur, Maurice Sanda avait parfaitement raison. Parce que lui s'est simplement posé la question de savoir où va les recettes minières. Dans tous les pays du monde, quand tu as le pétrole, tu as les mines, là, franchement, tu es à l'aise. Parce que tu fais recours aux recettes minières, tu fais recours aux recettes pétrolières pour faire face à des dépenses supplémentaires. Mais aujourd'hui, nous avons les mines. Nous avons tout. Alors pourquoi on ne fait pas recours aux ressources minières pour faire face aux dépenses? On ne parle pas ici des dépenses supplémentaires. On nous fait comprendre que les dépenses élémentaires, là, qui ne pourront pas faire face à ça, ce n'est pas les dépenses supplémentaires. Ilias, comment vas-tu? Vieux Kamara, salut. Parce que les dépenses supplémentaires, c'est en cas d'accident, c'est en cas de séisme, c'est en cas de catastrophe, c'est en cas de booster l'économie. C'est ce qu'on appelle les dépenses supplémentaires. Mais là, on parle des dépenses régulières. Merci, Vamsa Moussamara, merci beaucoup. C'est ça le problème. C'est lui qui le dit, le ministre du budget. Donc voilà quelqu'un qui vient nous dire encore. Le voilà ici,
Voilà ici. Je le félicite. Aujourd'hui, je félicite Mandia Sidibé. Vraiment, Mandia. Merci, Abla Sako. Merci, frère. Mandia Sidibé, le voilà ici. C'est lui le frère, Mandia Sidibé. Le voilà. Mandia Sidibé dit, je n'ai licencié personne. On est en difficulté. L'OGP, vous connaissez le nom du président du conseil d'administration de l'OGP. Vous le connaissez, non? Le président du conseil d'administration de l'OGP. Mandia Sidibé gérait tout à l'OGP. Mandia Sidibé ne rendait compte qu'à Mamadi directement. Mais lorsque, à des moments, nous avons ressorti des failles, nous avons ressorti des vols à ciel ouvert, qu'est-ce que Doumbouya a fait? Ils ont remis le conseil d'administration de l'OGP à qui? C'est seulement le Baba ou Djiba qui a quitté. C'est entre les deux. L'ARPT, c'est Djiba. L'OGP, je pense que c'est Djiba également. Tous les conseils d'administration là sont gérés par les proches de Doumbouya. C'est Amara, c'est Mamadou Ba, Tiana Mamadou Ba ou Djiba qui a quitté. C'est les trois qui gèrent tous les conseils d'administration. Alors, aujourd'hui, le monsieur là ne voit pas les couleurs de l'argent. Il y a des inspections régulières. L'argent qui rentre dans l'OGP ou dans les publicités là, tout, c'est directement déposé. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Vous comprenez? Donc, je dis, Mandia Sidibé, tu es supporté aujourd'hui par Bérite parce que tu as dit la vérité. Vous êtes en difficulté quand tu racontes ça à des ânes. Parce que des âneries, des ânes sont dans ce pays-là. C'est pour insulter les gens sur toutes les pages. Mais malheureusement, il ne peut pas nous distraire. Parce que Alto le Kofali, Abel Fali, Alta Nyaynao, et bien, il va mourir de Dieu. Oh, il y a voilà lui. Oh, à d'autres temps, climat longtemps. Parce que là, il y a certaines personnes aussi qui sont derrière toi, en train de dire, ah, il a changé, il ne doit pas dire ça, c'est des cuisines internes. Ce ne sont pas des cuisines internes. Si les médias étaient libres aujourd'hui, s'il y avait film, j'ai dit vrai film avant, c'est pas film maintenant là, parce qu'ils ont demandé à film de parler de leur mode de vie. Film avant, Djoma avant, Grande Gueule avant, je parle d'avant. Si ceci a été en forme, il n'y a pas de restriction d'internet. Wallahi billahi tallahi, des sorties comme ça allaient être analysées, décantées. Aujourd'hui, wallahi il y a ce. Aujourd'hui là, c'est Dieu qui a fait notre palabre. Regardez le petit Assimi Goïta. Assimi Goïta a fait la même situation. Merci beaucoup mon frère Poutine. Le service national des bourses extérieures là est géré par Djiba Diakité. Je ne suis pas en train d'inventer. Tous les conseils d'administration là sont gérés par tous ceux qui sont autour d'Oubia. Donc je me dis que Mandia a raison. Mandia n'a pas tort. Comprenez-moi pourquoi je les félicite. Parce que, quelque part, on les accuse. Quelque part, on les attaque. Oui, c'est vrai. Mais, ils ont les mains liées. C'est eux qui sont directeurs. Mais qui gère l'argent? Qui gère les caisses? C'est tout autour de Mamadi. Donc, dans les critiques envers certains directeurs-là, il doit y avoir des limites parce qu'ils ont les mains liées. Ils ont les mains liées parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils le disent publiquement qu'ils sont en difficulté. Ils ne gèrent pas les entrées. Chaque semaine ou bien chaque mois, fin de mois, il y a des contrôles. On ramasse l'argent, c'est directement à la présidente de la République. Les recettes-là ne vont pas à la Banque centrale. Quel argent part à la Banque centrale? Demandons, c'est à cause de cela, j'ai tout le temps dit, qu'un ministre ose, au moins qui est le cœur, de venir dire, voilà mon bilan, voilà comment je dépense, voilà quel est le budget qui m'a été remis. Le budget dont on parle au CNT comme ça, demandez-leur s'ils ont déposé cet argent-là dans leur compte. Non, on ne dépose pas. On ne dépose pas. Il y a des gens qui ont négocié ici, devant tout le monde. Trois fois, Doumbouya les a insultés, même dans le caleçon, devant tout le monde. Dans le caleçon, il les a insultés ici, là. Mais qui avait osé répliquer? Personne n'est garçon pour quitter le gouvernement. Personne n'est garçon pour quitter son poste. Sinon, c'est ce qu'on appelle la dignité.
Lui qui n'a pas son CEE, le certificat d'études élémentaires, il n'a pas son CEP. Les Amara et tous les groupes là. Au moins, c'est lui qui est allé à l'école un peu là-bas, c'est qui va déjà quitter. Sinon, tout le reste là. Ils n'ont qu'à dire les diplômes, on va quitter ici. Si ceux-ci là viennent vous insulter que vous êtes des incompétents, eh, mais dis donc. Mais pourquoi quelqu'un n'a pas dit là-bas que, ah, mais, et pourtant, les entrées là sont gérées par ceux qui sont proches de toi. Qu'on nous laisse avec les entrées. Vous allez voir si ça va pas. C'est à cause de tout. Tout est fermé, rien ne bouge. Je n'en vais même pas là, tu sais. Là, le risque de budget là. Parce qu'il en fait, il n'a rien avec lui. Il n'a rien sur lui, il n'a rien. Toutes les recettes minières, les mines là, les ventes de notre bauxite là, c'est déposé à la, dans une petite banque auprès de Madi. Même Jacaria de Gang disait ça là, que la banque qui est là-bas, là, ils n'ont qu'à le ramener à la banque centrale. C'est tout. Vous allez voir tout de suite s'il n'y a pas d'argent dans ce pays là. Mais oui, c'était intelligent, très bien fait. C'est l'objectif même du coup d'État.